Une courte vidéo pour les pages 102 et 103 dans le cahier bleu, les diagrammes de cartil. Donc c'est une jolie boîte, n'est-ce pas? Comme ceci. Avec, bien sûr, une moustache. Bon, mon choix de couleur est peut-être discutable. Bref, on voit qu'il y a quatre parties. Il y a quatre quarts dans un diagramme, de quartiles. Et je vais l'écrire ici. Il y a quatre quarts. Mais savez-vous quoi? Lorsqu'on veut séparer un terrain en quatre, on a besoin de trois poteaux. Trois poteaux plus les deux poteaux à chaque bout. En tout cas, les trois poteaux qui ne sont pas à chaque bout, on appelle ça les quartiles. Donc, il y a trois quartiles. Et quatre quarts. J'espère que c'est clair en partant. Donc, ici, Q1, le premier quartile. Donc, un poteau. <laughs> Q2, le deuxième quartile. On peut aussi l'appeler la médiane. Et Q3, le troisième quartile. Et comme je disais, il y a le premier poteau qui est au début du terrain et le dernier qui est à la toute fin. La valeur minimale et la valeur maximale. Donc, le terrain est séparé en quatre parties. Et on s'entend bien que chacune des parties va avoir le même nombre de données. Donc, ceci étant dit, je m'en vais maintenant à la page 102 et on va, euh, on va essayer de clarifier un petit peu, donc, tout ça. Alors, à la page 102, qu'est-ce qu'on a pour nous ce matin ou cet après-midi? Une mesure de dispersion est une mesure qui sert à décrire l'étalement, OK? Pourquoi je parle de mesure de dispersion Parce que tantôt on va voir que lorsque je fais par exemple l'étendue, qui est la valeur maximale moins la valeur minimale, ben ça c'est une dispersion. Donc euh, aussi l'étendue interquartile, on s'en sert moins. Q3 moins Q1, ça aussi c'est une mesure de dispersion. Ça nous permet de voir si les données sont toutes dans le même tas ou elles sont plutôt euh, éloignées les unes des autres. Bon, écrivez pas ça trop vite là. On va revenir ici de toute façon. Donc, les mesures de tendance centrale et de dispersion sont complémentaires. Donc, ça veut dire, ça dit pas vraiment la même chose. Mesure de tendance centrale, c'est moyenne, mode, médiane. Et mesure de dispersion, c'est plus l'étendue ou l'étendue interquartile. Donc, c'est pas la même chose. Et ça permet, bref, de décrire euh, les données comment elles sont euh, placées. Alors, ce qui nous intéresse plus, ce sont les trois quartiles, les trois poteaux dont j'ai parlé en, en début de vidéo, Q1, Q2 et Q3. Ce sont des valeurs, ce sont des nombres qui séparent une distribution en quatre parties, quatre quarts, et il faut qu'il y ait le même nombre de données dans chaque quart. C'est évident, on veut séparer pour qu'il y ait autant de monde ou autant de données. En chacune des quatre parties du terrain ou de la distribution. Bref. Et bien sûr, on s'en doute, on va commencer avec le deuxième quartile qui est Q2 et qui est aussi la médiane. Donc, quand vous avez un paquet de nombres ou des données, moi ici, je commencerai par séparer mon terrain ou bien ma distribution en deux. Bang, c'est fait. Je mets un poteau, je mets quelque chose, un piquet de clôture qui sépare en deux. Et la médiane, bien, on la connaît. Donc, c'est la valeur qui sépare la distribution en deux, en deux groupes avec le, la même quantité. Donc, ici, j'ai combien de nombres? Donc, c'est un, un exemple, oui, oui. C'est euh, au club des aînés. Voici, on a combien d'enfants ou de petits-enfants, je devrais dire. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bon, je vous rappelle que lorsqu'il y a 13 données, pour trouver le rang de la médiane ou de Q2, ben il suffit de faire 13 plus 1 divisé par 2. Donc, ça fait le septième rang. Alors, il est bien ici. 9, je l'encercle. C'est la médiane. C'est Q2, bien sûr. Mais qu'est-ce qui se passe? Là, je l'ai encerclé. Il est comme donc un peu disparu. On va faire comme s'il n'existait plus, là. Et on va regarder de chaque côté. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on a un côté, on pourrait dire un côté vert, puis un côté... Euh, on va reprendre le jaune, c'est un côté jaune. <laughs> Et on va regarder qu'est-ce qui se passe dans les données qui sont moins grandes. Donc, dans le coin vert, Ben, on va séparer encore en deux. Oui, oui. Mais cette fois-ci, j'ai six données. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Et qu'est-ce qu'on fait pour séparer en deux lorsqu'on a six données? Ben, si je veux trouver le rang, par exemple, de, de Q1, étant donné que j'ai six données, ben, c'est encore la même formule. Je vais faire 6 plus 1 divisé par 2 et ça fait 3,5. 3,5e rang. <laughs> donc c'est pour ça qu'il y, y, y a un trait ici, donc entre la troisième et la quatrième donnée. Et là, ben, clairement, moi j'appelle ça un mur. Là. Je fais un mur qui sépare. Et évidemment, ben, je vais aller chercher la moyenne. C'est le même principe qu'avec la médiane. Donc euh, je vais aller chercher la moyenne avec ces deux-là. Et c'est pour ça que je fais 4 plus 6 divisé par 2 égale 5. Et donc, je peux écrire que Q1 est égal à 5. Donc, j'ai Q1 qui est égal à 5, Q2 qui est égal à 9, et même principe, il va y avoir un mur ici pour Q3, donc la moyenne entre 10 et 12, ce qui fait 11, donc Q3 est égal à 11. Et là, ce qu'on remarque, c'est qu'on a vraiment séparé en quatre parties, et dans chacune des parties, comme j'ai bien dit, il y a le même nombre de données. Donc, si vous voulez être convaincu, ça fait 1, 2, 3. Donc, ça, c'est le premier quart. Après ça, il y a, la, il y a Q1 qui est, qui est 5. Donc, un espèce de mur qui sépare. Ici, 1, 2, 3. Donc, 3 données, c'est le deuxième quart. Ben, ici, il y a 9 qui, qui sépare, lui aussi, en, en, en deux groupes, le groupe des verts et le groupe des jaunes. J'ai ici 1, 2, 3. Parfait. Et encore une fois, 1, 2, 3. Donc, on a vraiment le même nombre de données dans chaque cas Donc, on peut relire ici. Le premier quartile Q1, c'est la médiane des données qui viennent avant Q2. Donc, de ces données-là ici à gauche. Et le troisième quartile Q3, c'est la médiane des données qui suivent Q2. Donc, à droite ici. Alors, vraiment, on a séparé. Parfait. Presque tout a été dit. Euh, je reviens ici pour euh, quelques mots. Euh, l'étendue, l'étendue des quarts, l'étendue interquartile, donc des, des petites euh, nuances. Donc l'étendue, ben, on en a parlé, ça fait plusieurs semaines, années, vie. <laughs> J'exagère un peu, mais c'est la valeur maximale moins la valeur minimale. Et ici, c'est donc 22 moins 2, ce qui fait 20. Donc 20 petits enfants détendus. Parce qu'en passant ces nombres-là, c'est le nombre de petits-enfants au club de l'âge d'or. Bien, 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 bien. Lorsque je vous demande l'étendue d'un quart, ben c'est la limite supérieure moins la limite inférieure du quart. Donc c'est vraiment ici q1 moins le minimum si je, me, si je veux savoir pour le premier quart. Donc q1 moins le minimum, donc 5 moins 2 ici ça fait 3. Encore une fois. Donc, Q1 moins le minimum. Le minimum ici, c'est, c'est 2. Donc, on a l'étendue du premier quart. Si je voulais l'étendue, par exemple, du, je sais pas, moi, du deuxième quart, ben, ce serait Q2. Donc, ce serait 9 moins Q1. 9 moins 5. Ce serait donc 4. Donc, l'étendue d'un seul quart. Et finalement, ben, l'étendue interquartile, Q3 moins Q1. j'aimerais qu'on comprenne que de Q1 à Q3, ben il y a, y a le, la moitié des données, hein? c'est sûr, parce que dans chaque groupe il y a le quart des données. Fait que si j'y vais juste de Q1 à Q3, ben non, c'est comme si j'étais uniquement dans, la, dans, la, dans, dans le cœur de la moustache ici. Il <laughs> hein? y a 25% des données, 25% des données, 25% des données et 25% des données. À peu près, ça dépend, parce que des fois, la médiane elle-même, c'est une donnée. Donc, on, on l'enlève un peu pour le reste, mais en gros, c'est pas mal ça, 25 des données à chaque fois. Et si on fait donc Q3 moins Q1 pour l'étendue interquartile, ben ça représente quand même 50 des données. Donc, euh, voilà pour euh, cette page-là, qui est la page 102. À noter qu'ici, l'étendue interquartile, 11 moins 5 égale 6. Donc, 11 moins 5 égale 6. Et maintenant, pour la page 103, ça va aller assez rapidement. Donc, un diagramme de quartile avec 4 quarts, 3 quartiles, plus un minimum, plus un maximum. On a tout ce qu'il faut pour retracer un joli diagramme de quartile. Alors, voici, il est construit à partir de la valeur minimale, maximale et des trois quartiles. Encore une fois, avec un peu de couleur, valeur minimale, valeur maximale, et les trois quartiles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Chacun des quarts contient environ 25% des données. Plus l'étendue d'un quart est grande, plus les données sont dispersées. Et évidemment, c'est le contraire. Plus l'étendue est petite, plus les données sont concentrées. Donc, j'insiste. Regardez ici le côté droit, là, de la partie centrale de la moustache. Ça semble être un peu plus, un peu plus gros que la partie qui est à gauche. Mais attention! N Allez pas dire qu'il y a plus de monde ou plus de nombre dans la partie de droite. Il y a autant de monde ou autant de nombre dans chacune des parties, dans chacun des quatre quarts. C'est juste que dans la partie rouge, les données sont plus éparpillées, elles sont plus dispersées. Alors, voilà ici, par rapport à ces deux phrases-là. Un quartile est une valeur, bien sûr, et un quart est un intervalle. Encore une fois, les trois quartiles, Q1, Q2 et Q3, ce sont des valeurs, tandis que les quatre quarts, ce sont des intervalles. Donc ici, il y a quatre quarts. Quoi d'autre? Alors là, la construction du diagramme de quartile, Faites attention s'il vous plaît de faire une graduation qui est régulière. Prenez votre temps, prenez votre règle. Donc, on avait la valeur minimum qui était à 2, la valeur maximum qui était à 22. Bien sûr que je suis de retour aussi au club de l'âge d'or. Donc, la valeur minimum 2 et la valeur maximum 22. On a les quartiles 5 9 11. Ils vont être en vedette ici donc 5 9 et 11, on les voit parfaitement. 5, ça correspond à un morceau de la boîte, 9 ici le milieu de la boîte, 11 l'autre morceau ou l'autre côté de la boîte. On fait une jolie boîte comme ça. Et on fait bien sûr les euh, les moustaches bref là. Le, le côté, les côtés éloignés là tout simplement. <laughs> Donc, on va lire ensemble moustache, segment qui relie la, la valeur minimum à Q1. Donc, ici, c'est toi. On a aussi moustache qui est là, segment qui relie Q3 à la valeur maximale. Et on a la boîte. Bon, voilà. Donc, la boîte, c'est le rectangle qui s'étend de Q1 à Q3 et qui contient environ, bien sûr, 50% des données. Alors, voilà, c'était les paroles de sagesse de Lucanard pour les notes de cours cahier bleu page 102 et 103 et euh, voilà prenez votre temps et c'est une matière assez facile quand même ben tout le monde